Chers amis de Maison du Rhum, bonjour. Permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2022 et que cette pandémie nous laisse un peu tranquille, nous permette de déguster nos rhums tranquillement entre amis. Je voulais vous parler un peu des nouveaux arrivages. La cuvée du chat. La cuvée du chat, un grand standard de la Maison du Rhum qui était précédemment commercialisée sous la marque Lavigne & Fils et qui maintenant est commercialisée sous la marque Académie du Rhum. Pareil que le célèbre Roulululu Moment, un rhum à base de piment qui réchauffera vos hivers. Alors, au rayon des arrivées aussi, un rhum arrangé réunionnais à base de piment et qui porte un nom sympathique, s'appelle Maloki. Je ne traduirai pas car le dernier interprète est mort de mort violente il y a 3 semaines. Vous demanderez à vos amis réunionnais de vous le traduire. Voilà. Mais c'est aussi très sympa et ça arrive souvent de la Réunion. Alors, une merveille qui vient de nous arriver aussi, la marque aromatique qui s'appelle Jamrock. Alors, c'est un rhum arrangé à base de orange confite, zeste d'orange, grains de café et rhum jamaïcain Holden & Rock. Donc pour les amateurs de rhum anglais, c'est une pure merveille. Complexité, on est loin des rhums arrangés basiques, on est vraiment sur un produit magnifique gustativement. Je vous invite vraiment à déguster ce Jamrock, c'est un très beau rendez-vous aromatique qui vous est proposé. Ensuite de ça, quand vous arrivez aux Antilles chez un compatriote, il vous demande toujours est-ce que vous voulez un CRS. Alors on se dit peut-être qu'ils en ont tellement reçu qu'ils en redonnent et tout. Non, c'est pas du tout ça. Un CRS, c'est un coup de rhum sec. Alors, qui peut bien illustrer cette maxime? Eh bien, le rhum Montebello Zenga. Zenga, c'est le nom des coques de combat aux Antilles. Et c'est un 60 degrés, mais très aromatique, floral, végétal, mais sur la canne à sucre. Et si vous voulez un CRS, eh bien, je vous conseille le Zenga. Ce sera un rendez-vous réussi. Deux merveilles pour terminer. La Maison Longto a voulu souligner son 125e anniversaire et nous a gratifié d'une très belle bouteille avec de la complexité, un très beau vieillissement. C'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Donc la cuvée 125 ans de chez Longto. Et puis pour terminer dans ses arrivages, alors on connaissait très bien le Zacapa XO et voici le Zacapa XO version fleur. Regardez comment ça s'ouvre, comment c'est magnifique. C'est un très beau coffret avec deux verres. Zacapa XO est un rhum guatémaltèque qui est élevé au-dessus des nuages, à 2600 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est fait à base de miel de canne à sucre, un vrai délice. Alors, c'est un rhum de mélasse, donc il faut aimer la sucrosité. Et c'est une sucrosité maîtrisée et vraiment délicieuse. Voilà, tous ces rendez-vous-là vous attendent pour 2022. Encore bonne année.